Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en ligne pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 4 wall breaks dans différents endroits sur la map. Personne ne les connaissent ou pas, bah regardez cette vidéo, même si vous les connaissez. Donc là, le premier wall break se trouve juste ici où je suis sur la map. Donc voilà, je vais vous montrer encore une fois. Donc c'est juste ici. Donc il vous faut un véhicule pas trop gros. Donc voilà, pas un 4x4 ou un truc comme ça. Il vous faut ni un camion, il vous faut un véhicule un peu pas trop non plus ras le sol, pas voilà, pas pour galérer. Donc vous faites comme dans la vidéo, vous allez monter sur le petit muret comme ça, et vous allez voir. Après on va aller direction dans le mur en face, et on peut se planquer, on peut laisser la voiture là-dedans et se barrer tranquillement pour éviter que les gens voient le véhicule. Comme ça en fait, bah on se le fait pas détruire ou ni voler ou voilà. Donc vous allez voir, c'est très simple, c'est long. Bien sûr, parce que comment ça s'appelle? Ça peut arriver qu'on n'arrive pas, voilà, comme par hasard à monter. Parce que en fait c'est un peu mal fait. Voilà. Là comme le mur j'ai fait là, vous rentrez dedans. Attendez que je réessaye un peu. Ouais. Non putain, il l'a ressorti au dessus. À la base, désolé. Pour le petit gros mot. À la base en fait la voiture en fait elle doit être dans le mur, et en fait vous devez sortir du véhicule pour laisser le véhicule dedans, mais vous pouvez le récupérer. C'est un peu long, vous avez, c'est sûr. Moi j'ai pas encore testé, je suis en train de le faire. Donc les 4 wall breaks que je vous présente là actuellement, c'est un abonné qui me les a envoyés sur Twitter en message privé. Il m'a demandé, il m'a dit tiens, fais-les en vidéo. Donc voilà, je l'ai fait en vidéo. Donc merci à toi. Donc si vous avez des wall brush à me proposer, bah allez-y, balancez, vous pouvez les envoyer sur Twitter, Facebook, ou même en message privé sur Facebook, ou même sur comment ça s'appelle, sur Skype. Vous pouvez m'envoyer les comment ça s'appelle, bah les wall brush et tout. C'est des vidéos comme ça. Moi j'adore en plus faire des wall brush. Il y a des personnes qui connaissent pas, il y a d'autres personnes qui doivent connaître. Mais voilà, c'est un peu galère. On va essayer de changer de véhicule pour voir. Je sais pas du tout si ça va marcher ou pas, mais je confirme, c'est voilà, c'est un peu embêtant. La preuve, j'arrive pas avec ma petite voiture. Donc on a volé celle-là. Alors est-ce que je vais réussir à rentrer? Ah non, purée, rentre pas entièrement. C'est un peu dommage. Et non, rentre pas du tout. Je suis un peu embêté, j'aurais bien voulu qu'il rentre dedans parce que ça aurait fait. Bah, j'aurais pu vous montrer. Mais là, pas du tout rentré. C'est un peu embêtant quand même. Mais c'est pas grave. Bon, on va reprendre la voiture qui manque le capot derrière. Oui, le capot, oh, le moteur. On va essayer de réessayer quand même. On va essayer de réessayer. L'utilisation du polo, alors, de toute façon je suis en mode passif parce que comme en fait je suis dans une saison avec beaucoup de joueurs, je peux même faire je peux même qu'on me tue. Alors voilà, tranquillement, faut pas s'énerver. Allez, ouais, là je suis sur le mur, voilà, là vous rentrez. Faut pas qu'on voie le toit en fait au-dessus de l'herbe, ni le capot, le coffre, le pare-chocs. Et voilà, en fait vous avez vu, on est sorti du véhicule. En fait, bah, vous pouvez pas récupérer comme ça le véhicule. Désolé, faut faire soit Y ou triangle pour récupérer le véhicule. Et du coup, on va se retrouver pour le deuxième wall breach. À tout de suite, les amis. On se retrouve pour le deuxième wall breach qui se trouve sur la map. Non, j'ai au haut d'un immeuble, pas vraiment tout en haut d'un immeuble, mais vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc, il vous faut un hélicoptère. C'est l'immeuble qui est juste ici. Mais en fait, c'est pas tout en haut. Moi, je pensais que c'était tout en haut, mais non, en fait, c'est en bas. Voilà, c'est de toute façon, vous regardez la vidéo, vous pouvez faire pause. Voilà, vous montez sur la petite cheminée qui est juste ici si vous arrivez à monter comme moi, et vous montez sur la ventilation et vous sautez sur le côté de l'autre, en principe de entre les deux ventilations, oh mince, bref, à côté des deux des gros trucs. Et du coup, en fait, bah en gros, bah ça va vous faire apparaître dans l'immeuble, mais c'est vraiment assez compliqué. Bien sûr, voilà, je vous montre que c'est vraiment compliqué. J'ai pas, je fais pas accélérer la vidéo parce que après vous allez dire ouais, tu l'as fait en 8 minutes. Non, vous allez voir, je vous montre vraiment que c'est compliqué, qu'il faut vraiment essayer, il faut avoir vraiment un coup de bol de rentrer dedans. C'est un peu, bah,
voilà, ça démotive un peu quand vous faites des trucs comme ça et vous pensez que vous n'allez pas entrer dedans. Et en fait, bah, tout simplement, en fait, il faut essayer plusieurs fois et vous allez voir, ça va marcher. Parce que, bah, c'est sûr, c'est un peu embêtant. Donc, tous les wall là que je vous présente, je n'ai jamais encore fait, je suis en train de les faire en même temps que vous. Faut, voilà, je peux pas les connaître avant. On me l'a envoyé sur Twitter, donc du coup, moi je l'ai fait directement en vidéo. Du coup, bah, je les connais pas du tout. Donc là, il faut sauter. Vous avez vu qu'on tire dans le mur, les balles ils passent à travers, donc ça fait pas de marque. Donc il faut sauter ici. En fait, il faut sauter entre les deux cheminées là, les deux tuyaux. Je sais pas si c'était, oui, des tuyaux. Et non, pas ça. Jamais 203, j'ai envie de vous dire. Donc le mieux c'est venir en hélicoptère assis, bien sûr. Je préfère préciser pour les personnes qui savent pas comment faut faire pour monter. Parce que je pense pas qu'il y a une échelle dans le camp, je pense qu'il faut juste venir en hélicoptère. Donc là, voilà, vous tombez comme ça. Et mince. Oh là là, on va pas réussir à monter là-dessus. À rentrer dans le mur. Allez. Non, tu peux pas. Allez, on grimpe, mon petit. Voilà. Bon, on va réessayer encore une dernière fois. J'espère que ça va marcher quand même. Parce que sinon, le personnage, je le jette dans le vide. Allez, Jean-Richard, on saute. Allez, là où tu peux sauter de là. Je reviens quand même. Hop là. Voilà, vous tombez comme ça à côté mini. C'est la cheminée là, en fait, qui font tomber de la gauche. Et voilà, vous avez vu, on est dans les meubles. C'est vraiment assez fun. Je pense pas que les balles passent à travers les murs. Mais en fait, vous êtes vraiment caché dans ce petit immeuble. Je pense que il doit être connu celui-là. Bon, bref, c'est pas grave. Mais on va voir si je peux tuer la dame là-bas. Non, je regarde un peu par là. Non, donc voilà, le deuxième wall rush que je vous ai présenté. Et on va se retrouver pour le petit troisième wall rush. Donc, à tout de suite. Wall rush. Ça se passe à côté du. Bah, c'est le pont où il y a le bâtiment de Leicester, l'usine de Leicester, si je me trompe pas, ouais, c'est le tien. En fait, ce Wallbrush là, je pense qu'il est très 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 connu. Je pense que vous l'avez déjà tout fait. Très simple, faut courir là, comme je fais. Et en fait, il faut. Dès que vous courez, il faut tourner sur la gauche et vous rentrez dans le pont. Et oui, avant on pouvait rentrer le côté avec les poubelles, on poussait la voiture et on rentrait avec la poubelle, on montait sur la poubelle et on rentrait dans le wall rush. Et je sais pas si on peut toujours rentrer comme on faisait avant, donc ça doit être une nouvelle manip pour rentrer dans ce pont. Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Je sais pas si vous le connaissez, ce type de wall rush, même le pont, il y a des personnes qui connaissent pas, je pense pas. Mais c'est vraiment assez fun. On peut vraiment tuer les gens qui sont sur le pont et tout. Je pense que vous avez tous connu, c'est pour ça que je vous explique un peu pour vous faire rappeler. Mais je pense que tout le monde a connu ce type de wall rush, qu'on pouvait rentrer là-bas avec la poubelle et on tuait les gens qui passaient au-dessus, les véhicules, les flics. On pouvait avoir tous les étoiles, on pouvait être recherché. C'est bien pour les personnes qui connaissent pas pour rentrer dans ce wall rush. C'est vraiment assez fun. Vous voyez, je peux détruire les véhicules, c'est très simple. Comme ça, on a une étoile et on est planqué, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, on va se retrouver pour le dernier et quatrième Wallbrush. Donc, à tout de suite. Wallbrush, les amis. Ce Wallbrush là, ça se passe un peu plus haut. En fait, je suis en train de vous montrer, mais ça se passe un peu plus haut. Je voulais vous montrer comment ça marche. En fait, il se passe juste ici où il y a le magasin d'armes. En fait, il vous faut un véhicule et vous foncez dans le mur, et en fait, ça va vous faire apparaître le côté. Comment je sais ces informations là? Parce qu'on me les donne, donc du coup c'est pour ça que je vous explique en même temps que je suis en train de le tester devant vous. Je l'ai jamais fait moi, mais je teste. En fait, à la base, vous rentrez avec le véhicule dans le mur et en fait ça vous fait spawner dans le vide. Mais le petit souci, c'est que bah, ça passe pas. Il y a des moments où ça passe pas, donc vous allez avoir la voiture. En fait, vous pouvez pas la détruire. C'est assez fun parce que c'est une voiture genre bouclier. Même vous, si vous restez dedans, personne peut la détruire. Je trouve c'est un petit wall brush déjà vraiment pas mal, mais je vais vous montrer comment ça se passe avec un véhicule. Mais c'est pas, oh là, on peut pas rester dans le wall brush, ça nous fait spawner sur la route. Mais voilà, c'est un petit wall brush assez fun parce que ça fait un bouclier avec le mur, avec le mur, puis le véhicule, ça nous fait un bouclier, comme ça personne peut nous tuer. C'est sûr, ça veut pas un vrai wall brush, mais je voulais vous le présenter en quatrième position parce que j'ai trouvé assez fun. Mis en quatrième position,
C'est en quatrième position parce que voilà, regardez, hop, on va détruire le véhicule. Vous avez vu, ça explose même pas, le véhicule il explose pas. À la base, dès qu'on lance lance-roquette, lance-patate, ça doit exploser et ce véhicule-là se détruit pas. C'est un peu embêtant quand même. Non mais c'est bien parce que ça fait un bouclier comme ça. Si vous êtes recherché par les gens, vous avez une prime sur la tête. Vous avez juste à vous planquer là. Hop. Le véhicule, vous foncez dans le mur, vous allez pas trop loin, comme ça, bah, ça vous fait un bouclier, personne peut vous détruire. Il faut rester un peu en mode avec le cul de la voiture en l'air. Mais voilà, regarde, hop, là on est rentré dans le ball brush, mais vous avez vu, ça nous fait, ça va nous faire voir en dessous la map, voilà, chercher les mots en fait, ça nous fait visiter en dessous un peu la map, mais on revient au même endroit. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est vraiment assez fun parce que ça fait un bouclier en même temps, un bouclier contre les attaques des autres joueurs quand le véhicule reste un peu coincé. C'est vraiment assez fun. Donc j'espère que tous les wall brush que je vous ai présentés, donc les 4 wall brush, vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et piston, salut! Allez, salut!